Les folles inventions de Pocoyou. Bonjour Pocoyou. Je ne suis pas Pocoyou. Je suis Pocoyou, le super inventeur. Oh, je vois, tu es un super inventeur. Pocoyou, le super inventeur. Oui. Et tu veux bien nous montrer quelques-unes de tes inventions? Tada! Incroyable! Ça, c'est un super gadget. À quoi sert-il? Ah, d'accord. Ton invention est cassée. Non, attends. Oh, tu nous as apporté une autre invention. À quoi sert-elle? Elle n'est pas terminée. Pocoyou, est-ce que tu aurais d'autres inventions à nous montrer? Peut-être une qui soit terminée ou qui fonctionne? Oh d'accord, je te suis. Oh, c'est incroyable! Mais qu'est-ce que c'est? J'ai compris. C'est une machine à se téléporter. Est-ce que tu veux bien nous faire une démonstration? Un volontaire? Pato. Formidable. Pato, Pocoyou a inventé cette machine et on aimerait beaucoup la voir fonctionner. On se demandait si tu accepterais de... si tu voulais bien nous aider. Pas d'ici. Je vois, tu nous as apporté un autre de tes gadgets. Incroyable. C'est une machine à lire dans les pensées. Elle va lire dans les pensées de Pato. Comme ça, on saura s'il a envie de tester ta machine à se téléporter. Pato dit que oui. Je crois qu'on a perdu notre volontaire. Bravo, Ellie. Elle nous a ramené notre volontaire. Oui. C'est très curieux. Normalement, Pato aurait déjà dû réapparaître. Oh non! La machine a attrapé un virus et Pato est coincé à l'intérieur. Il faut absolument le sortir de là. Petite chenille, aide-nous à libérer Pato. Dès que Pocoyou nous fait signe, on doit appuyer sur ce gros bouton rouge pour libérer nos amis prisonniers dans la machine. Oh.
Bien joué, les amis. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à trouver Pato. Mais cet univers est immense. On ne le retrouvera jamais. Oh, le voilà. Oh non, il est poursuivi par le virus. Cours, Pato, cours! Le virus, il a éclaté en 1000 morceaux. Oh non, regardez, il est en train de se reconstituer. Qu'est-ce que tu dis, Pocoyo? Oh, tu as raison. C'est le moment de faire signe à Petite Chenille. D'accord, je m'en occupe tout de suite. Petite Chenille, tu te rappelles ce que Pocoyo nous a demandé tout à l'heure? Tant mieux. Alors maintenant, appuie sur le bouton. Non, non, concentre-toi, Petite Chenille. C'est vraiment très important. Tu dois appuyer sur le bouton. Non, Petite Chenille, pas celui-là. Tu dois appuyer sur le bouton rouge, celui qui est sous la flèche noire. Non, Petite Chenille, concentre-toi, s'il te plaît. Allez, Petite Chenille, appuie sur le gros bouton, le bouton rouge. Voilà, c'est ça, le rouge. Non, non, Petite Chenille, tu dois appuyer sur le bouton maintenant. Non, mais, Petite Chenille, nos amis comptent sur nous. On doit les délivrer. Ouf, il était temps. Oh, quelle aventure palpitante, n'est-ce pas? Oh, le virus, il est toujours là. Bravo, Pocoyo! Ah, c'est beaucoup mieux comme ça. Fantastique! En route pour de nouvelles aventures, les amis!